accompagner vos plans de chat de poissons, de gambas, de blancs de volaille, vous pouvez réaliser une mayonnaise au wasabi et au citron vert. Donc dans cette mayonnaise classique, vous utiliserez des œufs, de la moutarde, du citron vert en zeste et également en jus. Et aujourd'hui, j'ai la chance extraordinaire de pouvoir réaliser cette recette avec du wasabi frais qu'un ami qui réside en Écosse et qui en fait pousser dans son jardin m'a fait parvenir. Donc ce wasabi frais est une racine, un peu comme le réfort, hein, et que l'on trouve exclusivement en frais sur la toile. La plupart des wasabi que vous trouvez dans le commerce et qui accompagnent vos sushis sont en fait du réfort qui est coloré et qui est retravaillé. Car le wasabi frais ne se conserve pas ni par déshydratation ni par conservation. Il est bien évident que si vous ne trouvez pas du wasabi frais qui coûte excessivement cher et que l'on ne peut se procurer que sur la toile, ben vous utiliserez une pâte de wasabi que l'on trouve en tube ou alors en poudre. Vous ferez quand même malgré tout une honorable mayonnaise au wasabi et citron vert. Donc, en principe, cette opération se fait sur une râpe en poudre requin. Et pour l'occasion, j'étais un petit peu pris de court et donc j'ai acheté cette râpe en céramique qui fait le même usage. On peut se servir aussi de cette râpe pour faire le gingembre. Tous les arômes du wasabi se développent et je peux vous dire que mes yeux me piquent et mon nez aussi. Donc j'ai clarifié deux œufs. Je vais mettre la moutarde. Une pointe de sel, je vais presser un demi-citron, voilà. Le wasabi. Alors je vais peut-être pas tout mettre, je vais mettre la valeur d'une demi-cuillère à café pour commencer. Le zeste d'un citron vert. Alors pourquoi on met le zeste? Parce que le zeste contient les huiles essentielles et c'est ce qui parfume le plus. Donc ce qu'on recherche ici, c'est pas forcément l'acidité du citron, mais plutôt le parfum. Là, je pense qu'il y en aura assez. Ensuite, donc, on va prendre la girafe. Et on va monter. Thank you.
vous la voyez trop ferme, bien sûr, vous pouvez la détendre. On va la goûter. Ah, excellent. Alors, je pense qu'on peut mettre un peu plus de jus de citron vert et de wasabi. Voilà, le citron. Et on va mettre tout le wasabi, donc en fait une cuillère à café. Et là on va pouvoir mélanger au fouet.